Salut à tous, c'est TheCurrent5 et on se retrouve pour une nouvelle découverte sur Spider-Man. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps dessus. Oula. Mais là, on va faire les DLC. Alors, comment ça va se passer ça? Direct Control, mode poteau, réglage. On va aller sur les DLC. Parce qu'en fait, il y a 3 DLC. Donc on fera le casse, la guerre des gangs et le retour de Silver. Donc on va commencer par le casse. Donc la ville qui ne dort jamais, épisode 1. Le casse. Donc on félicite Hardy alias Black Kite, revient à New York. Le passé de Spider-Man menace le présent de Peter Parker. Ouais, ok. C'est pas trop grave. Alors du coup, je sais pas si ça va durer longtemps. De toute façon, on fera en plusieurs vidéos. Mary Jane Watson, rédactrice adjointe. Début des notes de recherche. Selon mes sources, la Magia prépare son grand retour. Ses vieilles familles du crime avaient été éradiquées, mais depuis la disparition de Fisk, elle comble peu à peu les vides. Les anciens parrains travaillaient en harmonie depuis des années, mais avec cette place vacante, on devrait assister à une lutte pour le pouvoir. D'ici peu, l'une des familles s'en prendra aux autres. Je vais devoir recontacter mes sources dans la police. On pourra peut-être étouffer cette montée du crime, qui sait. Ok. Du coup, j'ai changé ma tenue parce que cette tenue-là, c'est le mode le plus dur. Alors. Il y avait quoi comme tenue, on va dire badass. De toute façon, je les ai tous débloqués, les tenues. Celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Salut Peter, je travaille sur un sujet qui pourrait t'intéresser. Le reportage sur Oscorp? C'est un nouveau sujet. Ça parle des familles de la Magia. Maigre? Ouais, ils avaient disparu en même temps que les patates, moi. Oh, les ringards. Elle était en déclin. Et depuis le départ de Fisk et des démons, la Cosa Nostra fait son comeback. J'adore quand tu prends cet accent. Tout doux, mon grand. Tu sais que le FBI a fait une descente dans la Magia le mois dernier? Ouais, bien sûr. L'un des parrains avait une œuvre d'art disparue qui s'appelait la Maria. C'est chiant, sale type. Et maintenant, elle est au Moka, à Manhattan. Et donc? D'après une de mes sources, l'une des familles a prévu de le récupérer. Ce soir. J'ai l'impression que c'est pas juste une histoire de toile et de peinture. Je vais faire un tour au musée. Hop là. Du coup, on doit aller au point jaune. Alors. Ah oui, ils l'ont mis loin. C'est quand même loin le truc. Heureusement qu'on peut voler. Façon de parler. Là, il y a le parc. On est bientôt arrivé. MJ, je crois que ta source avait raison. Il y a un petit groupe de malfrats qui essaie d'entrer. Reste en ligne, je vais voir ça de plus près. Sois prudent. Si ces types sont de la Magia, ils ne plaisantent pas. Allez, brûle-toi. Le patron veut ce tableau. On doit déjà être sorti. Si tu veux essayer, vas-y. C'est fou ce que les gens sont prêts à faire pour éviter de payer plein tarif. Et les gars, alors empêcher, fraction.
parti au combat. Je vais leur faire une démonstration de l'art de neutraliser les criminels. Viens là ! L'électricité ! C'est quoi ce bordel ? Qui tire ? Tiens, bouffe ça. Voilà, t'es scotché. Allez, bouffe ça toi. Encore ? Je vais te péter tes plombages. Reste à terre toi. Ouais, reste à terre. Voilà. J'ai déjà vu ces types. C'est Federico Frezzelli et Sal Patrillo. Ces types sont avec Amorez, non? Pourquoi il veut la Maria? C'est pas vraiment son style. Je vais faire le tour. Je vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Et je te dirai si je trouve quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec mon sens? C'est quoi ça? MJ, il y a une ouverture dans une vitre. Je vais voir. Ah, les ennuis. Les ennuis commencent. Alors, pendant que les gars de Hammerhead essaient d'entrer par devant, quelqu'un d'autre est entré par le toit? Ouais, on dirait bien. Je vois personne. Mais alors, personne. Il ne devrait pas y avoir des gardiens de nuit? Si. Va voir au poste de sécurité à l'entrée, peut-être. Et il y a sans doute des caméras là-bas. Elles ont dû filmer l'intrusion. Une veste de gardien? Je vais aller vérifier le poste de sécurité. Mmh. Par là. Le poste de sécurité est verrouillé. Il me faut une empreinte pour entrer. Tu trouveras peut-être des indices à l'intérieur. Y a moyen de pirater la serrure? Passons la main d'un gardien. Une empreinte de la main, précisément. Si tu ne croises pas les gardes, tu trouveras peut-être leurs empreintes sur ce qu'ils ont touché. Ah, ouais, bonne idée. C'est toujours un plaisir de donner un coup de main. Bon, si j'étais une empreinte de main, où est-ce que je serais? Sur les sièges. Hop. Il doit bien y avoir une empreinte par ici. Ah, là. J'ai une empreinte de main. Ah, enfin, une partie. Il va m'en falloir un peu plus. Bizarre. On dirait que les gardiens ont disparu. Alors... où est-ce que je vais trouver d'autres empreintes partielles? Mmh. Alors, par où? Peut-être en haut, je sais pas. Tiens, les poubelles, il veut pas. Là, on a quoi? Ah, une lampe torche. Une lampe torche? Je peux récupérer une empreinte? Ah, là au-dessous. Encore une. Génial. Des gardiens dignes de ce nom laisseraient pas leur matériel. À moins qu'ils soient pas partis volontairement. Il y en a un autre. Une tasse de café. Elle est tiède. Bon, je devrais avoir assez d'empreintes partielles pour reconstituer une empreinte de main. Je devrais pouvoir reconfigurer le scanner pour qu'il accepte mes données. Donc, ok, faut pirater le truc. Capteur optique. Pour envoyer mes propres données. Alors, tension actuelle 2, il faut une tension visée à 5.
Ok. Déjà, qu'est-ce que je fais? Donc là, ça, on peut le tourner. Réinsaisir, sélectionner. Retirer. Ah, ok, je peux retirer et omettre un autre. Ok. Il faut que je me réhabitue. Ça, on peut pas le retirer. Ouais. On peut pas mettre un autre truc. Attends. Lui, je le fais passer comme ça. Comme ça. Ah, et moins un. Ah non. Ah, sans, il y a un plus 5. Ça fait moins 1. Avec le plus 5, c'est bizarre. Ah non, le plus 5, je peux pas. Ah oui, il est en bas. Mais après, je serais bloqué, en fait. Je serais bloqué. Est-ce que je peux mettre ça? Après, je peux en passer par là. Ah, il va en manquer. Hein. Non, c'est pas celui-là. Ok, il va en manquer. Hein. Ok, ok. Alors, si je retire celui-là, là, ça va. Là, ça va. Et ensuite, on n'a plus assez. Ah mince. C'est bon. J'envoie l'empreinte ah bah. Demain. Ah bah, je l'ai fait un truc, quoi. Voilà. Je voulais tout retirer, mais ça l'a pas mis. Alors, accès autorisé. C'est ouvert. Super. Qu'est-ce que tu vois? Ils sont vivants. On dirait qu'ils ont été endormis. Aucun signe de lutte. C'est pas le genre d'Hammerhead. Mais si c'est pas Hammerhead, alors c'est qui? Il y a une vidéo? Je vais voir. Quelqu'un a désactivé la caméra 5. Ah, ça c'est louche. Je vais la réactiver pour voir ce qu'il voulait que personne ne voie. Elle est tournée vers l'un des tableaux de l'exposition. Ah, oh, c'est sûrement la Maria. Il n'a pas encore été volé. Je dois aller voir de plus près pour trouver ce qu'il a de si spécial. Ok, c'est-tu où? Par là. La Maria est un exemple parfait d'impressionnisme pastoral moderne. L'histoire de ses nombreux vols et réapparitions est presque aussi passionnante que l'œuvre en elle-même. Ce tableau m'a l'air plutôt normal. C'est le cas. Il y a des trucs bien plus précieux dans ce musée. Alors pourquoi la Magia est tellement obsédée par cette œuvre? Attends, MJ, quelqu'un arrive. Ouvrez l'œil! Spider-Man est peut-être encore ici. Ah merde, elle est derrière une vitre de sécurité. Hé, hey, dites à Franck qu'on va devoir sortir les gros calibres. Là, il y a un gros lard. MJ, les gars d'Hammerhead ont appelé des renforts. Ils m'ont pas encore opéré. Tant mieux, fais en sorte de rester invisible. Ils ont juste entendu du bruit, mais... J'ai perdu l'araignée.
beau rêve. Voilà, déjà, eux, ils ont été éliminés. Les flics vont pas tarder. Ah, fais chier. On pense qu'on peut et on se tire. Génial, ils piquent les autres œuvres. Je dois les arrêter avant qu'ils arrivent à sortir. Bon, il n'y a qu'une seule issue. C'est celle où ils sont entrés. Mon doute. Merde. Il est où, il est où? Comment il fait ça? Passe plutôt à la boutique des souvenirs. Aïe aïe aïe. Personne pique quoi ce soir. Aïe. Ok, il y a encore un voleur, il y a encore un voleur là. Pour te consoler, je t'enverrai un poster de cette œuvre pour ta cellule. Ça marche ? Il y a deux voleurs là. Il est où? Voilà la sortie. Tu dois y arriver. Ils essaient de voler des œuvres. Il m'a eu. Mais... je vais te péter tes plombages. Ah, il nous marche dessus. On est à deux là. Tiens, vous saute. C'est bon. Je dois rejoindre la sortie avant eux. Tiens. Bah voilà. Ok, sorti. Peter, t'es là? Ça va? Ouais, je crois que je les ai tous eus. J'ai pas mal d'œuvres à remettre à leur place. Et la Maria? C'était peut-être une distraction. J'y ai pensé. Je vais y retourner. J'espère que la vitre était assez épaisse. Alors... paroi de sécurité intacte et par balle. Personne pourra s'approcher de la Maria. Mission accomplie alors? Espérons. Oula, attends. Je vais devoir raccrocher, je te rappelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui se... T'as l'air en forme? Tu fais du sport? Non. Enfin, si, un peu. Alors? T'es célibataire maintenant? Ou tu termines avec ton ex? Eh ben, ça en fait des questions. Je suis curieuse. C'est un très vilain défaut. Et si tu me disais pourquoi t'es là? Oh, j'attendais seulement le bon moment. Regarde derrière toi. Oh là là! Les roquettes? Qui a porté
ferai des requêtes dans un musée. Tu connais pas un meurtre ? Il y a beaucoup de monde là. Reprends ta roquette. T'as raté ton coup. Ça fait mal ça. Viens là mon grand. Ça c'est bon. Où ça? Il y en a encore? Oula. Hop, retourne l'envoyeur. J'aime bien ton nouveau style. Toi par contre, t'as pas changé. Tu devais pas arrêter de voler des œuvres? Qui te dit que je suis là pour l'art? Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que t'as des vies à sauver. Encore? Hey. Non, non, retour! Où est-ce qu'elle est passée? Peter, est-ce que tout va bien? Désolé, MJ, j'ai croisé une connaissance. Qui ça? Des embrouilles. Ah, c'était Black Cat. Le chat noir. C'est vrai qu'il est stylé le déguisement. La Maria terminée. Hein? Tenue. Une nouvelle tenue disponible. Le retour du chat. Ah bon? Parce que normalement, toutes les tenues, on les a. On débloque d'autres tenues. Il y a des tenues, d'accord. Et la nouvelle, c'est celle-là. Ouais, pourquoi pas, tiens, on va la prendre. Parce que non, cette tenue-là, je les ai déjà. Ça, c'est quoi? Ah ouais, d'accord. Ah oui, des tenues à débloquer, ok. Alors, c'est Black Cat qui est passée par le toit. Elle était avec les gars de Hammerhead? Ouais.
Elle va me surveiller depuis que je suis entré. Ah, dis-moi que tu l'as pas laissé filer avec la Maria. Non, non. Bien. Elle l'a cassé en deux et volé une clé USB cachée dans le cadre. Quoi? Désolé. Y avait quoi sur cette clé, à ton avis? Bonne question. Je vais me renseigner. Et moi, je vais suivre les empreintes de chat. Les empreintes de chat? À toutes les unités, on nous signale une explosion dans les environs de Times Square. Répond à l'appel de détresse. Une explosion? Mieux vaut aller voir. Ok. Hop là. Alors, on se trouve à 800 mètres. Donc en fait, c'est quoi? C'est un centre d'incendie? Play. Vous l'avez sûrement entendu dire, Spider-Man a empêché les tirs de Hammerhead, marin de la pègre, de cambrioler le musée d'art contemporain. Super, non? Non! On est arrivé. Encore une voiture piégée, on dirait. C'est l'œuvre de quelle famille cette fois? Toujours Hammerhead? Sans doute. Il y en a peut-être d'autres dans le quartier. Appelons les démineurs au cas où. Des bombes sous des trucs. Je dois passer au ras du sol. Appuyez sur triangle pour lancer le speedbot. Démorcer les bombes avant la fin de la partie. Ah. Allez, trouve-moi les autres bombes. C'est désamorcé. Localisons les autres. Ah ok, je suis avec le truc. Ok. On devrait repérer les détonateurs grâce à leur diode clignotante. J'en ai eu une. Ok, ok. Donc je suis le petit radar qui sera à la gauche. Allez, encore une. Encore une? Ah bah ça va. Il me reste encore une minute. Oh, plus de deux minutes alors. Allez, allez, allez. À vous elle? Je les ai foutus. Facile. Un chute enfant. Hammerhead rigole pas. Va falloir faire gaffe au cas où il en aurait semé dans toute la ville. Nouveau crime de la magie d'esprit. Incendie troublant terminé. Ah, ils vont peut-être mettre des nouvelles défis alors. Allô? Spider-Man, ici l'inspecteur McKay. Un collègue m'a transmis votre numéro. Pas la peine de vous demander qui? Que puis-je faire pour vous, inspecteur? Je préférerais vous en parler en personne. Vous pourriez faire un saut au commissariat de Greenwich, dès que possible. Il paraît que vous aimez les toits. Je suis en route. À tout de suite. Ça m'occupera en attendant d'avoir des nouvelles d'MJ. Oh, c'était dingue ce braquage du musée. Pas le genre de Black Cat de bosser avec des types comme Hammerhead. J'espère qu'MJ en saura plus sur ces données. Bon, voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur Spider-Man. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.